On t'a cloué au poteau. Reste là, ne bouge pas. De toute façon, tu es fatigué. Tu es une personne âgée. Parce que pour l'avenir du Cameroun, c'est quand même plus de 41 ans de dictature. Et cette dictature a besoin de la constance, de la permanence et de la détermination des activistes. Le moment viendra, il est déjà là, où cette ambassade sera l'ambassade du peuple camerounais. Parce que pour le moment, cette ambassade est la propriété exclusive de M. Paul Biya, comme le Cameroun est devenu son patrimoine personnel. Le 7 septembre, nous avons vécu un crime odieux.
Madame Zamboué a été assassinée à cause de ses opinions politiques. Or, Paul Biya nous dit que nous sommes dans une démocratie apaisée. Or, nous avons des milliers de prisonniers politiques embassiers, y compris ceux dans le fond de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui sont emprisonnés parce qu'ils ont demandé un mieux-être et une bonne gouvernance. Et Paul Biya se dit que, puisqu'il a l'armée avec lui, il peut taire les expressions des oppositions. Mais merci parce que pour ceux qui sont au Cameroun, ils ont décidé de braver la peur jusqu'à payer le prix, donner de leur vie, être emprisonné, c'est pas évident. C'est à cause d'eux que nous sommes ici ce matin. Et vous, combattants, n'ayez peur de personne. C'est la force de votre conviction qui vous amène aujourd'hui à manifester devant cette ambassade. À manifester à visage découvert. Parce que les Camerounais vivent dans leur pays comme des propres clandestins. Quand il faut finalement des individus braves comme vous et courageux qui pourront donner de leur vie afin qu'on libère les plus de 27 millions de Camerounais pris en otage par la politique de M. Paul Biya. Vous savez, tout ce que nous assistons comme crime, comme désastre pour la gestion de notre pays, ce sont les soubresauts de fin de règne. Nous assistons à une fébrilité de ce régime, à une condescendance de ce régime. Mais je tiens à vous rappeler, c'est comme ça que ça s'est fait au Gabon. Ça s'est fait partout ailleurs. Ils ont empêché que l'expression des peuples puisse s'exprimer. Mais un jour, des hommes se sont levés et ont dit stop à ça. Mais c'est par la force de ce que vous apportez comme contribution à ce combat qui va finalement faire davantage lever et émerger des hommes nouveaux pour dessiner la destination réelle de notre pays où nous serions finalement heureux. Mais maintenant, chers frères, les pronostics sont très clairs. Monsieur Paul Biya n'a aucune sortie. À l'heure où se présente pour imposer son fils au pouvoir, afin que celui-ci se fossilise au pouvoir pour garder l'héritage de M. Paul Biya, je tiens à vous rassurer que le Cameroun et les Camerounais répondront de la manière la plus excellente pour stopper cette dictature de plus de 42 ans à la tête du Cameroun. Écoutez, ne soyez point pessimiste par rapport à l'avenir du Cameroun. Nous sommes tellement sûrs. Tellement confiants. Qui est confiant? Parce que c'est une question d'heures, de semaines, de mois, de jours et d'heures. Ouais, il faut le dire. Mais ce n'est plus d'années. Ce n'est plus d'années. Il faut ôter l'année. La condescendance de ce régime va finalement les amener à leur perdition. Le mal qu'ils ont imposé au peuple camerounais, ils vont finalement devoir répondre à tout ce mal. Donc, ce que vous observez aujourd'hui, ce sont des indices qui nous renseignent sur la fin de ce régime. Combattants, continuons la mobilisation. Continuons à inviter les Camerounais à s'inscrire parce que je pense que nous aurions le prétexte pour en découdre avec ce régime. Bref, soyons courageux et continuons la détermination. Merci. J'espère qu'en 2025, pendant les élections, l'ambassade sera fermée. Hein. Ça va fermer après. Hein. Parce que là, nous allons monter en puissance. Il ne faut pas continuer comme ça. Je ne connais pas vous. Respect, mais je ne connais pas assez bien le sujet pour vous répondre, pour vous dire vous avez raison ou tort. Donc là, nous allons revenir là, à partir de l'année prochaine. Là. Nous serons réguliers ici. Là, ça va barder. Amen.
C'est possible? Non! C'est possible? Non! Nous appelons aussi tous
paye, l'administration paye, la police paye qui est là, avec qui on collabore tout le temps pour les manifestations, de prendre cela au sérieux. De prendre cela au sérieux. Parce que quand nous allons prendre la... Quand nous allons prendre la manière forte, ils ne pouvaient pas nous traiter de mort. Ils ne pouvaient pas nous traiter de mort. Parce que c'est qu'ils sont amenés la manière. La manière pour réclamer juste. Pour réclamer juste. Voilà, merci d'avoir fait un point de plus. Amélie Pipo, au bien beau pilote. 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 Agréable. Oh, mon Kimitaya. Oh, mon Kimitaya. Oh, mon Kimitaya. Amélie Pipo, au bien beau pilote. Le 7 août dernier. Alors nous allons observer une minute de silence pour ces trois et bien évidemment une minute de silence qui aussi concerne
toutes les autres victimes du régime barbare de Yaoundé. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Je préfère vous poser la question, parce que je vous pose la question à l'ensemble de mes propos, parce que vous allez comprendre tout de suite le pourquoi de cette question. Je me réjouis de me retrouver ici, aux côtés des braves combattants de Belgique. C'est la même qui, aujourd'hui, sont devenus la charnière du combat que nous menons et du belle pour faire partie du régime de M. Bia. Applaudissez pour les combattants de Belgique. Yeah. Applaudissez pour les combattants de Belgique. Je me réjouis également, bien qu'un peu attristé, de prendre la parole là, aux côtés de la brave combattante Brigelle, celle-même qui a été agressée au sein de cette ambassade il y a quelque temps, et elle en est ressortie avec une fracture qui l'a obligée d'être alignée pendant plus de près d'un mois. Nous sommes ici pour dire, comme le disait le doyen tout à l'heure, à M. Evina Abbé, que M. Evina Abbé ne transposait pas la violence exercée au Cameroun par le régime de M. Bia en Occident. Parce que vous n'avez pas le monopole de la vieille. Vous n'avez pas le monopole de la vieille. Je suis ici pour vous dire que la prochaine fois que nous entendrons parler d'une agression à l'endroit d'un combattant ou d'une combattante, vous entendrez parler de nous et ce sera de la façon la plus violente. Parce que vous n'avez pas le monopole de la vieille. Vous n'avez pas le monopole de la vieille. Je suis ici devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, très attristé, parce que, dites-vous bien, c'est la première fois qu'il m'arrive de me poser, de me poster devant cette ambassade et de la scruter avec beaucoup d'attention. Je me rends compte, malheureusement, que de tous les bâtiments attenants, l'ambassade du Cameroun ne reste pas le bâtiment le plus sale de tous les bâtiments qui se trouvent dans les lieux. Vous ferez mieux de vos devoirs avec les services de soins de nettoyage pour que l'ambassade du Cameroun, cette bâtisse qui nous a été attaquée par le régime d'Aïdjo, que cette bâtisse n'a plus déjà entretenue. Lorsque j'aurai fini de dire cela, je vais passer donc aux choses sérieuses. Je vais passer aux choses sérieuses. Nous sommes ici. Nous sommes ici pour deux choses. D'abord, pour passer un message fort au régime du Cameroun. Et ensuite, pour repasser un autre message qui va, n'est-ce pas, à l'endroit de la communauté internationale qui est ici incarnée ou, n'est-ce pas, représentée par l'Union européenne, puisque nous sommes en Belgique, bien qu'il y ait aussi un gouvernement, n'est-ce pas, belge, mais nous allons nous adresser aux institutions européennes qui sont l'Union européenne, même si cela n'exempte pas le gouvernement belge. D'abord, M. Convia du Cameroun, puisque nous sommes ici en train de nous adresser à votre soi-disant représentant. Nous vous disons ceci, M. Paul Biya. Pendant belle lurette, nous avons interpellé. Pendant belle lurette, nous avons attiré votre attention sur le fait que vous gagnerez à apaiser le processus démocratique au Cameroun. Vous avez préféré rester dans votre fuite en avant qui fait que depuis pratiquement le 7 octobre
2018, où vous avez décidé, contre vents et marées, d'usurper le pouvoir que le peuple avait décidé de confier à un de vos concurrents, la personne du président élu, Maurice Kamto. Vous avez décidé, n'est-ce pas, d'aller à l'encontre de la volonté du peuple en confisquant ce pouvoir. Vous l'avez confisqué, mais malheureusement, on n'a rien à faire. Vous êtes resté au pouvoir pendant 7 ans. Nous pensions qu'un homme raisonné, si tant est que vous l'êtes, ces 7 ans, vous les prendrez pour assurer votre sortie pacifique, pour assurer une transition pacifique de façon à partir sans pour autant être inquiété. D'ailleurs, celui, n'est-ce pas, qui avait remporté l'élection, vous a promis à maintes reprises qu'il assurera vos arrières et que rien ne pourra vous arriver. Mais il me semble que tout ce qui vous a dit, tout ce qui vous a fait comme proposition, tout ceci est resté lettre morte. Alors nous vous disons, M. Paul Biya, que le vent est en train de tourner et il vous appartient simplement d'ouvrir les oreilles grandement et de pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Nous vous disons ceci, M. Paul Biya. Nous pensions que vous deviez, dans une démarche apaisée, réunir les Camerounais pour préparer les prochaines échéances électorales en contribuant, en œuvrant à une révision consensuelle du code électoral. Mais que Nini, vous êtes resté 7 ans calfeutré dans votre palais à étudier, à refuser d'écouter, de tendre l'oreille attentive aux revendications des Camerounais. De plus, vous avez décidé, au lieu de d'apaiser le processus démocratique au Cameroun, vous avez décidé plutôt d'emprisonner tous ceux qui, n'est-ce pas, sur eux de manifester pour demander une évolution du processus démocratique au Cameroun. La preuve, vous avez emprisonné des innocents depuis belle lurette, parmi lesquels je ne pourrais pas tous les citer, mais il nous revient permanemment que parmi eux, on en a qui sont les plus emblématiques, à savoir le professeur Alain Foguet, Bibou, Issa, le professeur Pascal, Awaspa, et bien d'autres. Je ne me limiterai pas aux prisonniers politiques francophones, parce que avant eux, vous en avez fait du côté anglophone, alors que tout le monde sait que la revendication du peuple anglophone est une revendication noble. Le peuple anglophone ne demande qu'une relecture, une révision, n'est-ce pas, de la réforme, une révision, n'est-ce pas, de la forme de l'État. Et donc, il permettait d'aboutir à un fédéralisme ou à une confédération. Demandez cela, je ne vois pas en quoi il mérite d'être embastillé, comme vous l'avez fait avec Mantoum Bitissi, avec Ayoub Tabe. Et nous sommes ici pour vous dire, monsieur Paul Biya, il y a un temps pour s'amuser avec le peuple et il y a un temps pour respecter le peuple. Nous sommes ici pour vous dire, monsieur Paul Biya, monsieur Ayoub Tabe, vous devez le libérer. Ayoub Tabe, Ayoub Tabe, Mantoum Bitissi, Alain Foguet, que vous descendez. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés. Et tout de plus, le règlement de compte en interne. Comme je l'ai dit, je pense ici à Amadou Vamourke, je pense à Marafa et bien d'autres. Ceux-là même qui sont vos prisonniers personnels, parce que vous êtes dans une logique de règlement de compte. Mais comme nous sommes pour une défense, nous sommes pour une défense sans discrimination des droits humains, nous appelons à libérer tout cela que nous considérons comme vos otages. Monsieur Paul Biya, non seulement vous vous moquez de nos appels, vous vous moquez de nos exigences, mais vous allez jusqu'à vous permettre d'assassiner, n'est-ce pas, ceux-là même qui se trouvent parfois être très proches de vos prisonniers personnels. Vous avez, le 24 janvier 2014, à travers un commando, n'est-ce pas, qui est resté aujourd'hui, qui est un commando
qui est resté jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a pas pu découvrir, ou alors que les enquêtes n'ont pas pu, n'est-ce pas, permettre de savoir de qui il s'agissait. Vous avez envoyé un commando qui a assassiné le secrétaire particulier de Barafat. J'entends parler de Christian Sopo Bango, qui était le 24 janvier 2014. Nous avons demandé une commission d'enquête internationale. Monsieur Kodia, vous vous êtes moqué de nous. Et aujourd'hui, vous avez osé pousser le bouchon loin en envoyant encore un autre commando sous l'égide de Émile Bambi pour aller assassiner Madame Suzanne Akwari. Et nous sommes ici pour dire que nous condamnons avec la dernière énergie cet assassinat odieux et nous exigeons la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur ces assassinats. Lorsque je leur ai dit, je continuerai en disant ceci, Monsieur Paul Biya, nous continuons d'attendre que la lumière soit faite sur les assassinats des différents journalistes au Cameroun. Vous avez fait assassiner par votre DGRE de M. Eko Eko et Abou Koubelinga et consort. Vous avez fait assassiner le journaliste Martinez. Nous exigeons justice. Et au LABB, bien sûr, nous exigeons justice pour cela et qu'une commission d'enquête internationale soit mise sur pied pour faire la lumière. Vous avez jusqu'aujourd'hui mis le corps sous scellé et vous êtes incapable depuis bientôt un an, depuis bientôt 8 mois, vous êtes incapable de permettre aux enquêtes d'avancer. Ce qui est déplorable pour un pays qui se veut un pays des droits de l'homme, puisque vous prétendez être un pays des droits de l'homme. Voilà une enquête qui est bloquée et on ne sait pas ce que vous nous réservez. Donc nous exigeons une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur les assassinats de Martinez Ogoué et de Ola Bébé. Monsieur Paul Biya, nous ne sommes pas ici pour égrener le chapelet de vos méfaits parce que votre régime a tellement, n'est-ce pas, de corps, dans, de cadavres dans ce placard que nous ne pourrons pas nous mettre à tout énumérer. Mais nous disons simplement qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus, pour le peu de temps qui vous reste à passer, si tant est que vous avez définitivement confisqué le mandat qui revenait au président élu Maurice Kamto, alors il ne vous reste plus que quelques temps à la tête de cet État dont vous prétendez être le président. Et nous vous disons que ce temps qui est supposé vous rester, c'est un temps pour vous de faire les derniers réglages qui vont permettre au Cameroun de connaître, n'est-ce pas, une alternance pacifique. Et quand je dis alternance pacifique, ça veut dire contribuer à ce que les prochaines élections, puissent se passer dans des conditions de transparence absolue. Oui. Transparence absolue. Oui. En tant qu'absolue, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous devez déjà, dès maintenant, faire preuve de non mauvaise volonté, parce que on ne peut même pas parler de bonne volonté, parce que la bonne foi, M. Bia, ça n'existe. La bonne foi, M. Bia, ça n'existe. Jamais. Nous vous demandons de faire preuve de non mauvaise volonté en appelant à une révision consensuelle du code électoral. Non seulement vous allez appeler à une révision consensuelle du code électoral, mais également, M. Paul Biya, nous vous demandons instamment de permettre que les Camerounais puissent se faire enrôler sur les listes électorales. Sur les listes électorales. Parce qu'en 2023, on a vu votre subterfuge. Vous avez bloqué les inscriptions, tout au moins en diaspora. Vous avez bloqué les inscriptions sur les listes électorales et nous sommes partis des inscriptions qui sont supposées se faire du 1er janvier ou du mois, du 2 janvier jusqu'au 31 août. Alors, est-ce que du 2 janvier 2023 jusqu'au 31 août 2023, est-ce qu'on a vu quelque chose? Non. Est-ce que dans les ambassades en Occident, on a vu quelque chose? Non. Ça veut donc dire que M. Biya est dans une logique de tripatouillage. M. Biya veut refaire ce qu'il a fait en 2018. Et cette fois-ci, nous disons, M. Biya, vous allez nous trouver sur votre chemin. Nous allons vous trouver sur votre chemin. Non, non, 2 minutes encore, parce qu'on a 2 minutes.
Monsieur Paul Biya, puisque les autorités belges, ou tout au moins les représentants de l'autorité belge, nous attirent mon attention sur le fait que le temps imparti tire à sa fin, je voudrais ici, effectivement, court-circuiter mon propre discours en rappelant que, en prenant les autorités belges à témoin, c'est vous qui êtes allé la dernière fois demander aux autorités consulaires de leurs compatriotes veulent s'inscrire sur la liste électorale. Et ils vous ont fait la promesse qu'ils allaient le faire. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Donc, les autorités belges, vous comprenez que votre interlocuteur diplomatique, c'est un malheur. Mais... c'est un malheur. Mais... à l'image du régime de Paul. Mais... alors, nous disons simplement ici que, Monsieur Paul Biya, nous attendons de vous que vous alliez dans le sens qui permet de démontrer que les Camerounais arriveront à une alternance pacifique. Parce que si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que c'est compliqué? Non. Si ce n'est pas le cas, les Camerounais vont simplement porter la lunette et copier les exemples d'accord. Oui. Les exemples d'accord. Oui. Voilà. Donc, Monsieur Paul Biya, vous savez désormais à quoi vous en tenir. Et je peux vous dire, au nom de la diaspora combattante qui entend se redéployer dans les jours qui viennent, parce qu'il paraît qu'on était fatigué. Est-ce qu'on est fatigué? Non. Vous êtes fatigué. 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 Alors, Monsieur Paul, vous entendez les cris, vous entendez les réponses qui sont données ici par les braves Camerounais de la diaspora qui entendent se redéployer dans les jours qui viennent pour, n'est-ce pas, démontrer à nos partenaires européens que la diaspora camerounaise en a marre de ce régime et que la diaspora camerounaise est debout pour un changement pacifique au Cameroun, à défaut d'un changement par un coup de... De toutes les façons, que ce soit l'un ou l'autre, on plante le... Peuple camerounais, nous annonçons officiellement ici que nous avons décidé de nous remettre, n'est-ce pas, sur le tarmac de battre le pavé. On a commencé aujourd'hui par la Belgique et j'ai le privilège de vous annoncer que dans les semaines qui viennent, opération 100 000 personnes dans les rues de Bar. Oui. 100 000 personnes dans les rues de Bar. Oui. 100 000 personnes dans les rues de Bar. Oui. Monsieur Paul Biya, un dernier message à votre intention. Vaut mieux quitter le pouvoir. Vaut mieux quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous. Entre quitter le pouvoir, comme l'a fait Abdou Diouf, ou quitter le pouvoir, comme l'a fait Mobutu Sese Seko, lequel, qu'est-ce que vous préférez, Monsieur Paul Biya? Est-ce que vous préférez partir comme Mobutu Sese Seko, ou bien vous préférez partir comme Monsieur Abdou Diouf? Dans tous les cas de figure, vous avez parti. Vous n'avez pas le choix. Vous devez partir ou bien vous ne devez pas. Vous partir ou bien vous ne devez pas. Oui, il va mourir. Il faut dire ça. Tu vas partir ou tu seras tué. Nous disons aussi aux autorités, n'est-ce pas, belge et à la Commission européenne, nous osons compter sur vous pour encourager, pour demander à ce régime-là d'arrêter de saboter le processus démocratique et de contribuer à ce qu'une alternance pacifique puisse se faire au Cameroun. Sinon, nous allons rêver. Oui. Nous allons rêver. Oui. Nous allons rêver. Oui. Voilà. Donc, chers camarades, merci. Nous allons chanter l'hymne national pour mettre un terme. Nous allons chanter l'hymne national. On peut tenir. Quel est le drapeau? On va se mettre. Nous allons mettre un terme à notre manifestation en exécutant notre hymne national parce que nous sommes des patriotes. La patrie ou la mort ? La patrie ou la mort ? La patrie ou la mort ? Au Cameroun, les sons de nos ancêtres, rendez-vous et jaloux de la liberté.
comme un soleil ton drapeau fier d'être un symbole tant de foi et d'unité. Que tous les enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest soient tout d'amour. Le service que ce soit le seul but, pour remplir les deux voies toujours. Cher patrie, tu es notre salut, vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le droit d'honneur. La patrie ou la mort? Merci aux camarades de la Belgique, merci à Nitoko Labram, merci infiniment à Nitoko, merci Kamal Kamel Kotia, merci à vous, merci au Christophe Romain, merci. Donc on continue ainsi, merci aux camarades de la Belgique, merci Romain, merci, vous avez été merveilleux, je compte sur vous pour que nous redonnions une nouvelle dimension à la lutte. Merci à tout le monde. Merci aux Guyanais, merci à l'Amazonie, la panafricaine qui est là. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Applaudissez pour elle. Merci à Bravo à vous. Merci. Faut pas qu'on lâche, faut pas lâcher. Merci. Bravo. L'Afrique n'a pas voulu venir tout simplement parce que on s'est dit, on se réserve pour les opérations. Bravo à vous. Faut qu'on tienne bon. Faut pas se décourager. Il faut tenir bon, c'est long. Et la 2025, c'est l'année la plus longue de notre vie. L'année prochaine, c'est l'année la plus longue de notre existence. Vous organisez votre travail, on va seulement dormir que dehors. L'année 2025, tout le monde dort que dehors. 2025, c'est l'année la plus terrible. Ça finit pas. On prend une photo de Paris. Qui prend la photo? 2025, c'est l'année la plus longue de notre existence. Mettez ça dans le calendrier. L'année prochaine, c'est l'année la plus longue depuis que nous sommes nés. Le policier va faire. Vous ceux qui sont devant ce soir. Mais c'est lui qui fait. J'ai fait qu'il envoie sa Paul Biya. Il va pas envoyer sa Paul Biya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vive la démocratie belge. C'est le sens supplémentaire qui commence. Les sens supplémentaires vont commencer là. Vive la démocratie belge. Merci. On peut pas se disperser comme ça. On vous remercie beaucoup. Beaucoup. Très bien en France. Parce que cet honneur là, au Cameroun, nous l'avons pas. Ah ben voilà. Mais pour l'instant, on reconnaît ça. Faites une demande officielle. On le fera. Les gars. Allez, on va partir. Hein. Allez, il faut qu'on parte, il faut qu'on disperse, qu'on les laisse tranquille. Comme ça, ne nous casse pas les couilles, hein. Ouais. Disperse. Comme ça, dispersons-nous, ne nous casse pas les couilles. Amon, ici. On se voit, une minute. Là, les gars, écoutez, dans le coup de s'il vous plaît. Écoutez, général. On se retrouve pour 91 boulevard du midi. On est ensemble, toi aussi. Viens, colle-toi seulement sur quelqu'un. Bah, allez, on va se battre tout de suite. Hein. Allez, on va se battre. Ok, à tous. C'est bon, on a déjà. Ouais, c'est bon, il a dit, c'est bon. On y va. Je suis là. Attends. Donc, moi,
Alors on nous assoit au parc, non? Et puis on voit. Et puis non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est vous qui connaissez les coins, on vous suit. J'ai arrêté. Ah non, c'est pas arrêté. C'était magnifique. Bravo. Okay. Bravo, c'est bien. Tu nous amènes en haut, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu nous amènes en haut ici. Que les gens dorment, ils pourraient qu'ils vont charger moi avec la couche. Ami, ouais. Est-ce que vous voulez bien me déposer à la gare du midi si ça non, je ne suis pas véhiculée. Nous, on va avec les transports. Maman, viens, on va. Ah, va, oui, va avec. Va avec Alain. Comment, Steph? Comment, Steph? Qu'est-ce que c'était pour moi? On a un grand contentieux, tu le sais. On a un grand contentieux. Depuis que tu t'es satisfait de notre massacre. Donc voilà, la manifestation est terminée. Merci d'avoir regardé. Merci, le combat continue. Le combat continue. Donc nous allons faire une petite réunion. Voilà, vous serez au courant de qu'est-ce qu'on va décider. Donc une réunion pour la suite du combat. Bye bye et bonne journée. À tout à l'heure. Bye bye. Ouais. Il veut pas d'argent, c'est pas d'argent. T'as pas d'argent.